Nous avons, pendant cette session de novembre 2017, eu de longs débats, un long dialogue très très riche à propos de la situation de l'état de droit en Pologne, et nous avons adopté à une très large majorité une résolution, donc conformément évidemment à nos traités, une longue résolution également sur la situation de l'état de droit et de la démocratie en Pologne. Sans être exhaustive, je voudrais dire l'élément principal qui est le cœur en fait et du débat et le cœur de ce que constitue l'adhésion à l'Union européenne, donc le fait de signer les traités. Quand vous adhérez à l'Union européenne, tout d'abord vous le faites par une décision qui est souveraine. Chaque État membre a décidé de le faire. Aucun État n'a été contraint d'adhérer à l'Union européenne. Et donc c'est une décision souveraine d'un État que de souhaiter entrer dans l'Union européenne. Et lorsqu'ensuite, par voie de conséquence, l'État ratifie le traité donc, portant les obligations de l'Union européenne, évidemment, c'est logique, c'est juridique, c'est pas seulement politique, c'est juridique. À ce moment-là, vous vous soumettez aux règles auxquelles vous avez décidé d'adhérer en ratifiant le traité, en décidant d'entrer dans l'Union européenne. Il est aujourd'hui, hier, mais demain, impossible d'imaginer que chacun puisse ensuite choisir ses règles. C'est la fameuse expression « vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière avec ». C'est-à-dire prendre dans l'Union européenne ce qui facilite, ce qui peut financer des investissements très importants, et puis dire « ah ben les contraintes ou les obligations ou le mécanisme de responsabilité collective au sein de l'Union européenne, très peu pour nous, ça n'est pas notre affaire ». Donc on ne peut pas imaginer que chaque État membre ou chaque gouvernement, quelle que soit sa majorité politique, puisse décider de choisir ses règles et évidemment aussi de s'exonérer de celles qui seraient à ses yeux compliquées. Et l'article 2 du traité fondant l'Union européenne souligne que tous les États respectent l'état de droit, et en le faisant, ils acceptent évidemment la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui sont des éléments constitutifs de la démocratie et qui sont des valeurs auxquelles chaque État membre a souscrit. Et on ne peut pas décider d'ignorer ces éléments sous prétexte qu'on aurait une majorité politique très large qui a décidé d'en contester le contenu. Et c'est ce qui se passe en Pologne. Et donc les États membres, à travers le Parlement, mais aussi la Commission et le Conseil, et même un peu en partie le président polonais, M. Duda, qui s'est un petit peu, qui a pris ses distances par rapport aux manifestations qui se déroulent en Pologne, eh bien, a rappelé dans ce dialogue musclé pendant cette session de novembre, et l'a souligné à travers la résolution, qu'appartenir à l'Union européenne, ça engage les États, donc les oblige à respecter l'état de droit dans toutes ces manifestations principales qui fondent la démocratie européenne.